Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le meilleur de l'humour. Ce soir, nous allons passer un moment exceptionnel en compagnie de tous vos humoristes préférés. Oui, je suis une inconditionnelle de... Pas tout, hein, mais j'aime beaucoup, je profite bien de Paris pour ça, pour aller voir des nouveaux spectacles. Je ne suis pas une super fan, par contre, des pièces... de troupes comiques, je suis pas... voilà. J'ai jamais été une grande fan des Robin des Bois ou des autres. Dans la vie, je suis pas toujours très rigolote. Je suis du signe du taureau, c'est pas des marrants. Je suis pas très... non, je suis plutôt solitaire. J'aime bien la compagnie quand elle est drôle. Dans la vie courante, pas grand chose dans la vie courante. Mes chats me font beaucoup rire parce que j'ai une race de chats qui est assez marrante, qui sont des Maine Coons et qui font que des bêtises. Donc eux me font rire. Ça, je peux passer des heures à les prendre en photo, leur mettre des trucs sur la tête. Enfin, j'adore. Je ne sais plus qui disait ça, on peut rire de tout, oui, mais pas avec n'importe qui. Voilà, ouais, je pense qu'il faut mettre un peu d'humour dans tout parce que c'est le seul moyen de survivre. Bah écoutez, moi, le nombre de gens qui s'attaquent au mien de physique, si je vais à chaque fois hurler, voilà, je pense qu'il faut un petit peu de recul et qu'il faut des humoristes. Et voilà, on peut être fâché, mais en tout cas, si on commence à censurer ce genre de propos qui sont quand même pas d'une violence extrême, à ce moment-là, ça veut dire que la censure est très ancrée dans le paf et que c'est un danger. Si, bien sûr, ça fait mal. Je dis pas que ça fait pas mal, mais voilà, il y a des propos qui ont été un peu trop loin, mais au final, qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, je me suis moquée de beaucoup de gens, donc ouais, c'est tout, je veux rien dire. Bah les deux, hein, c'est bien aussi, quand il y a l'humour et le physique. Je privilégie rien parce que je suis mariée, donc... Mais bon, dans l'absolu, on va dire, là-dessus, tout doit être bien. On n'a pas le même humour, on va dire. Il y a des trucs qui font mourir de rire, et moi, pas du tout. Et moi, je tombe devant les tontons flingueurs, et comme on a quand même une différence d'âge, il pense que les tontons flingueurs, ça a été tourné en 1920, vous voyez, un truc comme ça. Non, je plaisante, mais pour lui, c'est pas, voilà, je trouve pas ça génial. Voilà, bon, en même temps, on dirait des trucs ensemble, hein, sinon on serait pas ensemble. Oui, c'est vrai, j'aimerais bien, mais je me retiens un peu de le faire, parce que j'ai pas une énorme confiance en moi, et quand je vais voir des comiques et des choses qui me font vraiment beaucoup rire, je me dis, je peux pas faire aussi bien, donc je le fais pas. Donc c'est bête, mais je le fais pas. Au revoir.